Nous avons, lors des précédentes chroniques, parlé de la patience. Et bien sûr, nous avons parlé de la patience de Dieu. Heureusement que Dieu est patient. Il attend et il attend encore pour que, en nous donnant du temps, nous puissions à la fois nous repentir et nous convertir et mener une vie sainte et glorieuse pour le royaume de Dieu. Alors, quand on parle de la patience, on ne peut pas non plus oublier de parler du retour de Jésus. Jésus va revenir. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des attitudes et des comportements très différents. Alors, il y a pour ceux, un certain nombre qui disent « pourvu que Jésus revienne vite, et qu'il revienne très très vite, comme ça, bien, cela nous épargnera les souffrances, les persécutions et des choses semblables. » Et puis d'autres qui disent « non, que Jésus ne revienne pas tout de suite, parce que je suis pas prêt. » Et puis il y en a d'autres, c'est ce que évoque du reste l'apôtre Pierre dans son épître, la deuxième, ne croit pas du tout et se moque, et lui-même le dit de la façon que je vais lire maintenant. C'est donc dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, que nous lisons ceci, « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Autrement dit, ne nous racontez pas des salades. Il n'y a pas plus de retour de Jésus que de n'importe quoi, parce que nous ne croyons pas, nous sommes athées. Mais il y a aussi l'apôtre Paul qui parle à des juifs, ça pourrait être des catholiques, des protestants aujourd'hui, qui disent « je suis catholique, je suis protestant, je suis orthodoxe, je suis croyant, je suis chrétien », et puis qui ne croient pas du tout au retour du Seigneur. Et pour eux, l'apôtre Paul dit ceci, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors même ces personnes qui sont croyantes, entre guillemets, ne voient pas venir ou ne voit pas se produire les prophéties qui annoncent le retour du Seigneur. Mais le Seigneur dit, par l'intermédiaire de Pierre, il est patient. Et ça, c'est la première chose, quand on parle du retour de Jésus, on se dit, mais ça fait longtemps qu'il doit revenir, il va revenir. Ah oui, et puis des générations de chrétiens l'ont attendu et puis sont morts. Et Jésus n'est pas revenu. Et pour nous qui sommes vivants, nous devons manifester notre foi dans la patience. C'est-à-dire, il n'est pas revenu, mais il va revenir. C'est sûr, c'est certain. Nous avons cette foi qu'il va revenir. Et il faut beaucoup, beaucoup de patience. Et il nous faut beaucoup de patience. Surtout ceux, par exemple, qui sont persécutés à cause de leur foi chrétienne, de leur foi dans l'amour de Dieu, et qui pourraient dire « Seigneur, si tu revenais,
ça abrégerait mes souffrances. Mais non, il faut attendre. Et ce fut le cas, je dirais, des premiers chrétiens, et ce fut le cas, eh bien, des chrétiens qui ont suivi, et puis c'est le cas de chrétiens qui, aujourd'hui, eh bien, font preuve de patience en attendant le retour du Seigneur. Et certains font preuve de patience précisément parce que ils sont emprisonnés ou ils sont déportés, ils sont dans des camps de concentration comme dans les goulags, et ils ont attendu, et ils attendent, et ils ont attendu, et ils ont certains été libérés. Alors voilà, donc c'est Habacuc qui un prophète de l'Ancien Testament qui dit ceci: j'étais à mon poste, le chapitre 2, et me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et c'est vrai que toutes ces prophéties qui concernent le retour de Jésus doivent nous porter à la patience. C'est une prophétie, c'est des paroles que Jésus a dites, et ces paroles vont se réaliser, et elles se réaliseront en leur temps, parce que Dieu a fixé déjà de sa propre autorité le temps où cela se produira. Et nous, eh bien, en attendant, eh bien, il ne faut pas faire preuve d'impatience, mais il faut faire preuve de patience. Alors, comment se traduit l'impatience? Ah, c'est simple, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Ah oui, il y en a beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils tordent le sens des Écritures. Et voilà, je vais le lire. Voilà, c'est dans le toujours dans l'épître de Pierre, la deuxième, et au verset 16, voilà ce que il est écrit. C'est ce qu'il fait en parlant de Paul qui a écrit à ce sujet dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors qu'est-ce qui se passe quand ça ne se produit pas, quand on attend? Ah ben, il y a une chose qui est toute simple, c'est qu'on commence à imaginer, on commence à donner des interprétations des Écritures, et c'est pas d'aujourd'hui, ça a été dès le commencement de l'Église, on a commencé à interpréter les écrits, et combien de prophéties, combien de paroles reçues du Seigneur, entre guillemets, je dis, eh bien, qui disent le Seigneur va venir à tel moment, à telle heure, etc. Et ils font, je dirais, une interprétation des Écritures anciennes. Et puis, il y en a aussi d'autres, eh bien, qui se risquent à faire leur propre prophétie en disant ça se produira en septembre de telle année, ceci et cela, ou en janvier ou en octobre, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, ben, il y a beaucoup de gens qui les écoutent. Et après, ben, ils sont navrés parce que ça ne s'est pas produit. Non, il faut beaucoup de patience. Et le retour du Seigneur nous oblige à être patients. Patient jusqu'au bout. En attendant qu'il revienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. C'est de continuer à aimer, c'est de continuer à pardonner, c'est de continuer à prêcher la bonne nouvelle, c'est de continuer à faire l'œuvre de Dieu, c'est de continuer à construire, bâtir des églises, pas seulement en pierre, mais aussi de pierres vivantes, c'est-à-dire de personnes qui se sont converties. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Être patient, c'est pas du tout ne rien faire. Non, c'est de faire tout ce que le Seigneur nous a ordonné.
et t'attendre. Mais c'est de faire tout cela, mais c'est de le laisser agir. La foi, c'est de croire que c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu. C'est pas nous. La patience, c'est de dire « je fais ce que Dieu m'a dit, mais les résultats dépendent de lui ». Abraham a dû apprendre à ses dépens que si Dieu lui avait fait, ou parce que Dieu lui avait fait une promesse, c'est d'avoir une descendance et d'avoir un fils, et c'était à Dieu aussi qu'il revenait dans les pires difficultés, les pires impossibilités, par exemple Sarah était trop vieille, lui était vieux, eh bien c'est de laisser à Dieu le soin de réaliser ce qu'il avait promis. Ça, c'est la patience. Et la patience, c'est pas de dire « je vais faire ». Et malheureusement, Abraham, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu aider Dieu à réaliser ce qu'il lui avait promis. Et beaucoup, malheureusement, dans les temps dans lesquels nous vivons, eh bien, essayent d'aider Dieu à réaliser ce qu'il a promis. Ben, ça, c'est une erreur. La patience, c'est de faire tout ce que Dieu nous a dit de faire, ce que Jésus nous a enseigné, et d'attendre dans la foi qui nous aide par le Saint-Esprit à le réaliser, mais pas à nous de le faire à sa place. Chaque fois que nous faisons les choses à la place de Dieu, nous faisons preuve, oui, de beaucoup d'impatience. Et l'impatience ne fait pas partie de la joie du chrétien, ne fait pas partie non plus de l'activité du chrétien. C'est tout le contraire. Abraham a appris que Dieu nous donne par sa grâce la joie d'attendre et d'apprendre, d'apprendre à lui faire confiance et même pour ce qui concerne son retour, de lui faire pleinement confiance. Que Dieu vous bénisse.